Bonjour à toutes et à tous. On fait cette vidéo juste pour vous signaler quelques petites choses qui méritent d'être éclaircies, notamment sur le sujet du moment, le coronavirus. Donc vous êtes nombreux à alerter ou à appeler vos représentants du personnel pour avoir des informations et vous semblez être mécontent des réponses qui vous sont données, parce que c'est aussi les réponses de la direction. Hein, donc vous êtes, comme tout salarié, invité à aller régulièrement sur Urban et regarder un petit peu les notes de service qui sont mises à jour régulièrement et les préconisations qui sont dispensées par l'employeur pour vous permettre d'exécuter votre service dans de bonnes conditions. Voilà, ceci étant dit, l'inquiétude demeure, le risque est grandissant et que vous êtes nombreux à vous dire mais est-ce que c'est réellement suffisant ou pas? Bon, d'après nous, c'est pas le cas, hein, puisque vous n'êtes toujours pas rassuré. Je pense notamment, et j'ai cité quelques exemples, aux collègues de bus qui ont la permission de monter la vitre anti-agression pour ne pas avoir des contacts ou postillons, demeure toujours néanmoins le passage du ticket, l'achat du ticket qui fait qu'il y ait un contact soit avec le ticket, soit avec l'argent et la possibilité d'être contaminé. Donc, vous voyez, des exemples comme ça, j'en ai à foison, je pense au contrôle, aux agents de station, enfin, tous ceux qui sont au contact du public, qui sont dans les transports et qui sont inquiets de se dire, tiens, je suis susceptible d'attraper ce virus et pourquoi l'employeur ne met pas tout à disposition, notamment, vous êtes nombreux à nous demander le port du masque. Voilà. Alors, le port du masque, aujourd'hui, l'entreprise, elle estime que ce n'est pas une obligation, que ce n'est pas une mesure de précaution, libre à vous. Vous êtes aussi nombreux à nous dire oui, mais est-ce que je peux faire un droit de retrait? Oui, vous pouvez faire un droit de retrait, mais je rappelle à chacun d'entre vous que le droit de retrait est cadré par le Code du travail, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Donc si on estime qu'il y a un danger imminent pour notre santé, notre sécurité, on exerce notre droit de retrait, on avise la cellule CHSCT, nos représentants, pour qu'ils mettent en œuvre ce qui va bien, c'est-à-dire un droit d'alerte, et on avise aussi l'employeur et on expose clairement par écrit le danger qu'on encourt. On reste sur le lieu de travail tant que l'employeur ne nous libère pas. Et dans la foulée, je vous invite, pour ceux qui sont inquiets, comme ça a pu être le cas dernièrement, appeler le SAMU et prendre toutes les mesures qui s'imposent. Et d'ailleurs, un collègue nous a alerté puisqu'il a lui-même appelé le SAMU et le SAMU n'a pas compris que l'employeur ne faisait pas de déclaration d'accident du travail, ne lui permettait pas de porter un masque et parfois même se moquer de lui pour l'appel du SAMU. Toujours est-il que ce collègue-là, le SAMU, et après avoir échangé avec lui, l'a invité à rentrer chez lui, à prendre contact et à aller consulter dans les plus brefs délais un médecin pour se mettre en confinement, isolement avec tout ce que ça inclut. Alors, pour revenir à aussi cet isolement et cette mise en quarantaine, alors il y a un décret. Le décret est paru, on l'a mis en ligne sur Facebook. Ce décret prévoit quoi? Que lorsque vous êtes mis en isolement, la vraie inquiétude c'est est-ce que je vais toucher des indemnités, est-ce que je suis en maladie ou pas? Voilà. Le décret est simple, il n'y a pas de période de carence, donc vous êtes dès lors que vous êtes mis à l'isolement par le médecin, vous touchez vos indemnités journalières sans carence. Ensuite, bien évidemment, quand vous exercez un droit de retrait, je l'ai dit, hein, l'employeur, le CSST, mais aussi le médecin du travail, l'informer, et ensuite, pour certains qui veulent aller un peu plus loin, l'inspection du travail. Alors l'entreprise, elle, a pris une partie de ses responsabilités en distribuant ici et là, et on voit qu'on a du mal à le récupérer, des gels pour les mains, mais voilà, ça ne va pas plus loin, hein. Le risque existe toujours et nous sommes dans une société de transport, nous transportons du public et ces contacts-là, postillons, rames de métro, contrôle ou autre, voilà, nous exposent quotidiennement à ce risque de coronavirus. Alors il faut le prendre au sérieux, mais ne pas tomber dans la paranoïa. Donc prenez toutes les mesures qui s'imposent et si besoin, faites comme on vient de vous le dire, prenez soin de vous et puis n'hésitez pas, à chaque fois que c'est le cas, écrivez, alertez et informez-vous régulièrement. Au revoir.